Honneur. C'est fait. Oui, c'est ce que vous avez dit. Il y a un place pour M. Barbara. D'abord, je vais pouvoir commencer par dire que je suis très impressionné par le public qui est devant moi. La salle n'est pas compris, elle est dense. Elle est dense au sens mathématique du terme, c'est-à-dire une capacité de remplissage de l'espace sans exercice. Et les personnages que je vois devant moi ici, je vous présente les forces porteuses de la culture haïtienne en mutation, transformation et expansion. Donc, pourquoi je suis là pour que d'abord il y a la vie, les accidents aussi, ou l'accident, c'est celui d'avoir conduit fort, n'est-ce pas? Il m'a été présenté par un ami commun, l'ami d'enfant du fort, et qui cherchait à s'entendre bien, il a revenu au Bercail, et à quoi il devait être. C'est comme ça qu'on les a touchés à la maison. C'est comme ça que la salle de l'âge du bol s'est ouverte pour les entraînements et dans la salle de l'âge. Il y a un compétition avec d'autres activités, mais c'est aussi le dojo, le garder de la maison, c'est là que je vais bien toucher là, la compétition est sur assez oui, pour donner de l'espace. Et mais ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, j'ai été témoin de cette immersion nouvelle dans la maison avec cette racine compétente, ce que tu savais déjà à l'époque de l'Haïti. Je m'en souviens dans la direction personne elle-même. Et aujourd'hui, Clifford égale son présentatif là, non pas dans la capacité de porteur de Jacques Chompard. Clifford est mon chef de cabinet, il est aussi philosophe, et spécialiste en relations internationales, publiques, en politique. Et Gaël est aujourd'hui le chef de la direction de l'écologie judiciaire. C'est intéressant de voir cette alliance, mais je dirais plutôt cette complicité. Entre l'intelligence et le corps, cette complicité entre le corps et l'esprit, et c'est ça ici. C'est pour ça que je suis là aussi comme lecteur. Je suis là comme lecteur parce que je suis interpellé par cette particularité d'Haïti comme espace, comme territoire, qui, en dépit des nouveaux problèmes, dont la fuite, le pauvreté, le calcul, qualité matérielle, de mauvaise gouvernance, de ceci, de cela. Haïti est porteur de ce nouveau et ce sont les acteurs de la culture qui sont porteurs. Que ce soit en littérature, en musique, en peinture, en danse, quelle que soit la déclinaison choisie pour l'art haïtien, je crois que ce sont des êtres de transformation. Ce sont des êtres qui sont des éclaireurs de l'humanité. De temps en temps, moi-même, je suis surpris parce que je vois sur les réseaux sociaux, je vois une université européenne ou américaine mettre en valeur de sa chorale, une chanson folklorique haïtienne, et ça a une dimension qui est de l'ordre du classique le plus pur. Et c'est ça que Haïti possède. Alors, moi, comme lecteur, comme universitaire, je suis interpellé par ce fait culturel en pensant que voilà un domaine. Haïti n'a pas besoin de se voir. Voilà un domaine dans lequel on n'a pas besoin d'assistance technique. Mais voici un domaine aussi dans lequel il y a trois choses que nous pouvons faire. D'abord, il est un vecteur d'intégration sociale. Quelle est la Haïti qui ne se reconnaît pas de sa musique, de sa culture, de sa danse? Toute catégorie sociale confondue. Il a tous les clivages, parfois artificiels, de la société. Auquel la société nous a qu'ils disparaissent. Les Haïtiens se fondent, ils sont unis dans la société. C'est un facteur d'intégration sociale. Deuxième facteur, c'est aussi un facteur de création de richesse. On n'est pas encore arrivé à montrer que la culture peut être une industrie culturelle florissante. Et tous les éléments sont là. Les matériaux sont là. Donc je pense que nous devons travailler à investir dans l'innovation. Dans la mise en valeur de la tradition et en montrant que voici un chemin de nouveaux emplois pour la création de richesses. Troisième vecteur important pour moi, c'est aussi ce que j'appelle le renforcement de l'identité nationale. La culture haïtienne n'est pas la culture européenne. Nous ne sommes pas une mafie, je n'ai pas l'intérêt.
d'action sociale, renforcement du climat international, voilà pourquoi nous vivons. Nous sommes interpellés par tout ce qui se fait dans ce domaine et que nous acceptons d'être partie prenante, je ne dis pas seulement spectateurs, nous sommes partie prenante de cette démarche d'implication de nos acteurs universitaires dans ce projet de transformation du combat pour mettre le combat sur la scène internationale. Maintenant, si je laisse avoir mon cœur, je dirais que je suis parfois non pas confondu ou interpellé parce que dans mon enfance, j'étais en face du combat. Dans ma famille, ma grande soeur était compatriote. Ma maman était cadastrale. Évidemment, je parlais du côté de ma maman, ou l'ESCO, il y a toutes ces contradictions, tous ces conflits. Il fait de plus en plus qu'il fallait donner le libre. Ce n'est pas tellement différent que ça.